Le Parti citoyen pour le renouveau PCR a organisé son meeting à Niono. Ousmane Ben Fana Traoré a expliqué aux militants son projet de société. Le commentaire est de Garibou Pérou. Ousmane Ben Fana Traoré est le candidat du Parti citoyen pour le renouveau PCR. Économiste de formation, la priorité du candidat libéral est celle de la promotion du secteur privé. Pour les candidats du PCR, ce n'est pas la fonction publique qui crée fondamentalement de l'emploi, mais c'est le privé. Tout en plaçant ce secteur au cœur de son appareil politique, l'homme salue le courage et la détermination de ses militants pour un Mali nouveau. Le lieu ici, à Niono, de remercier l'ensemble des militantes et militants de la section du Parti citoyen pour le renouveau de Niono. Ils se sont mobilisés comme un seul homme. Ils sont en train de sillonner partout, de tout donner dans cette bataille pour que nous gagnions ces élections. Je les remercie. C'est le lieu ici de dire à tous ceux qui m'ont soutenu, à tous ceux qui se sont mobilisés pour moi, que je les remercie. Je lance également un appel à mes promotionnaires, à ma famille, à mes amis, à tous ceux qui me connaissent, à l'ensemble des Maliens, de voter pour moi. Les réformes profondes sont nécessaires pour la mise en place des institutions solides. Pour ce faire, Ousmane Ben Fana Traoré reste convaincu que l'amour et le patriotisme sont quelques éléments nécessaires. Je suis candidat parce que j'aime mon pays. Le pouvoir appartient à Dieu. Il le donne à qui il veut, quand il veut, où il veut. Au cours de cette tournée, les militants libéraux ont accordé leur soutien à Ousmane Ben Fana Traoré. Le programme du Parti citoyen pour le renouveau PCR est basé essentiellement sur l'amélioration des conditions de vie sociale, l'équilibre entre les régions du pays et la garantie des services de base. La mise en place d'un grand ministère du développement social pour lutter contre la pauvreté et la marginalisation, sans oublier les secteurs de la santé et de l'économie. Le programme d'urgence pour sauver l'école malienne et la lutte contre toute forme de corruption, le chômage sont au cœur du projet de société du candidat.